démocratique devant tout le monde. Et c'est que la démocratie a réalisé à travers différents départements. Et hier encore, nous étions dans les départements de l'île. C'est démocratique là, à travers des sénateurs de l'élection de Benoît qui est tout à fait chaleureux. Le petit département de l'île, dans le département du Sud, spécialement dans la ville de Caille, pour que la population cayenne recevra nous chaleureusement. C'est juste pour nous dire, toutes conditions réunies à travers tout le pays, pour que 7 février va finir là. Tout pays d'Haïti en ébullition contre le pouvoir ça aujourd'hui là qui a fini avec la vie des haïtiens. Aujourd'hui, la population haïtienne réalise pouvoir ça son menace que lui pour nous. Côté que la classe moyenne a effondré, la classe pauvre disparaît et la bourgeoisie haïtienne est tout à fait à déprimer par rapport à la mauvaise gouvernance que le pays a connu aujourd'hui. Là, que par exemple, nous avons besoin de 86 gouttes pour acheter un dollar américain, ce n'est pas nous dans le secteur démocratique seulement qui a payé les conséquences. Mais c'est tout haïtien en général, quel que soit pour les polos, quel que soit apporté dans notre politique, quel que soit apporté dans notre religion, quel que soit la provenance sociale. Donc c'est ça qui fait que nous disons, même gens, 7 février 1986, c'était à travers un soulèvement général entre tous les secteurs vitaux du pays qui était arrivé débouché sous départ régime du Vagier. Et je dis à 33 ans après, tout ça que nous avons bataillé contre eux-mêmes sous régime du Vagier, à savoir persécution politique, droit pour faire la guerre pour nous manger, droit pour nous vivre dans le monde, droit pour nous un logement social, droit pour une éducation, droit pour nous finir avec la question de corruption, et bien 33 ans après, nous restons boulevard de corruption pour ouvrir nos pays à travers des pouvoirs tels qu'à des investissements. Donc dans ce sens, nous avons dit, au niveau du secteur démocratique, la mobilisation du 7 février, c'est une mobilisation qui concerne toute couche organisée dans la vie nationale. Quel que soit fait partie de la bourgeoisie, je tiens là à nous dire, l'ensemble des magasins ont commencé à fermer, sortir dans le département du Sud-Est pour arriver au niveau du département de l'Ouest. Les regardons au niveau des classes moyennes, sont classes moyennes qui tout à fait décapitalisées. Les regardons au niveau des classes pauvres, sont classes pauvres qui appauvrit, qui ont dépéri. Et dans ce sens, nous-mêmes nous disons, 7 février qui a fini là. Son 7 février pour que la population ne parle pas la rue. Et la rue que nous parlons, c'est pour la rue que nous parlons, pour nous sortir après ça, pour nous rentrer. Mais nous disons aujourd'hui, là, pas de question dans ce carnaval avec Jovenel Moïse. Parce que le dollar qui a compté, la vie chère qui a augmenté, la misère qui gagne dans le pays, les policiers qui ont mouru chaque jour dans le pays. Massacre qui gagne dans le quartier populaire, côté que je dis là, pas de monde qui a dirigé le pays. Et bien 33 ans après, la bataille qui a été menée pour arriver aboutit à 7 février 46 là. Et bien je dis là, 33 ans après, puisque c'est même réalité qui est en train de vivre sous le régime civilien qui est après vivre là, je dis là encore. Et bien nous dit, tout le monde qui connaît, le dollar ça a fait l'intérieur. Côté que tout là, son feuille bonhomme qu'elle est aujourd'hui à rapport à la devise américaine. Tout le monde qui connaît ça, si ça va intéresser, vous mettez chita la caillou. Tout le monde qui connaît la sécurité qui est dans le pays, s'il va intéresser, vous mettez chita la caillou. Tout le monde qui connaît la mauvaise gouvernance qui est dans le pays, s'il va intéresser, vous mettez chita la caillou. Tout le monde qui connaît 4 milliards de dollars qui disparaissent dans le pays. Côté que même la trine pays va bénéficier à travers les gars comme ça qui fait ça. Et bien si comme ça, petit on va payer. De génération en génération, on va payer, on met chita la caillou. Et si on connaît tout ça qui passe dans le pays à concerner, et bien nous disons 7 février, quel que soit fait partie de la bourgeoisie, de la classe moyenne, de la classe prolétarienne, et bien c'est nous tous qui devons prendre la rue. La jeunesse montante, la jeunesse estudiantine, c'est nous tous qui devons prendre la rue. On dit non, c'est trop d'accord, parce que je dis là, pays en fini. Et à partir de 7 février qui vient là, nous ne pouvons pas nous battre, mais nous avons dit, c'est lui pour remplacer lui. Parce que Juan Guaido, je dis là, il reconnaît comme président autoproclamé au niveau de la République venezuelienne.
Félix Villiers, m'a demandé au nom qui est l'élection qui est sorti, qui fait qu'il reconnaît pour remplacer Madouno, qui sorti dans l'élection légitime. Et je dis à la Jovenel Moïse, qui n'a pas aucune légitimité constitutionnelle, et bien, il a reconnaître comme président. Et bien, à partir de Venezuela, Pepe Haïtien dit, il n'a pas reconnaître Jovenel Moïse, parce que Pepe Haïtien a toujours contesté la légitimité de Jovenel Moïse. Et bien, c'est ça qui fait que 7 février, gaz à monter, nous dans la rue. Dollar américain monté, nap dans la rue, misère qui vient dans la rue, nap dans la rue, et bien tout policier à travers le pays. Même j'aime toujours dire, Lénine te dit, les gendarmes sont paysans habillés. Et bien je dis, même j'aime dans le quartier populaire pour lui, policier pour lui tout, comme petit peuple là, et yo même la dit, 7 février, mettez ça, yo tête en bas, yo accompagner la population, la mobilisation ça, que nous pas mettre dans le pays, que nous pas intensifier à travers 10 départements, pour nous dire, Jovenel Moïse, bye bye. Et pour déboucher sur le procès Petro-Caribéa, pour tout criminel arriver à juger, tout le monde qui fait crime économique, crime politique, crime social, pour les Pays-Bas. Donc rendez-vous, c'est dans tout le pays que rendez-vous a passé 7 février. Et on nous dit, depuis 5 février, mobilisation, il a commencé avec ténèbres toute journée, toute nuit, pour que 7 février, Jovenel Moïse arrive à tirer.